Oh, mais on va être à combien dans cette dégustation? Mais c'est pas possible. Allez, viens, Natoum, viens là. Attends, on va se décaler. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super méga giga bien, on est au... Taquet. Taquet. Bon, en tout cas, je suis super contente. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait plus fait de vidéo tous les trois. Et donc, pour faire dans l'originalité, Mathis aujourd'hui a décidé du thème de cette vidéo et on va faire une... dégustation. Voilà. Donc vous avez été très nombreux à nous demander une dégustation et aussi l'apparition de Mathis dans une vidéo. Les deux conditions sont réunies en une seule, alors rien que pour ça, on compte sur vous pour dès maintenant exploser le compteur des... pouces bleus. Alors j'ai une idée, Mathis et moi, en fait, on va faire un pierre-feuille-ciseau et on va... et lui qui perd, ben, il laisse l'autre choisir les choses. Ok, ok, t'as compris? Non. Pierre-feuille-ciseau. C'est Matt qui a gagné. Donc c'est lui qui choisit en premier, oui, ce qu'on déguste. Ouais. Vas-y Matt, tu choisis le premier. Ah, il a choisi le pire. Non mais toi t'es venu vraiment. Mais c'est, ouais, le pire. Et on dirait que ça va exploser à la tête, quoi. Allez, au revoir. Il y a plusieurs bons. Tu t'en vas? Donc du coup, par contre, vu que c'est Mathis qui a choisi, c'est lui qui va goûter en premier. Ah non. Ah oui. Ah, ah oui. Ben enfin, Shifumi pour savoir qui goûte en premier. Shifumi. Donc déjà c'est pas toi. Shifumi. C'est moi. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. Alors du coup, choisis. Toi, t'as pris la pomme. T'es dégoûtée d'avoir choisi ça. Je vous fais plaisir. Non, mais c'est moi en premier normalement. Toi aussi, tu l'as pris. Vas-y. Ah, ça pique. T'es sur une échelle de combien, entre 1 à 10 sur l'échelle du picotement? 8. Ouais, non. Viens un peu avec nous là, qu'on voie ta tête. Prends le bonbon. Allez. Allez. Allez, reste là. Non. Tu veux malin toi? Ah Nono, allez viens Nono. La pomme. Allez Nono. Allez, bon bah voilà, du coup c'est dégustation en vanille complète. Non. T'as pris le... c'est cerise? Ah, c'est melon. Allez Nono, t'as pas le droit de faire de grimace, d'accord? En plus il est bien assis. Allez, t'es prêt? Quoi, pas de grimace? Sans grimace. Attention Nono. Allez. Ils le savent pas. Pas de grimace Nono. Regarde la caméra Nono, pas de grimace. Il faut que tu tiennes. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Alors ça pique? Mon chat. Alors deuxième. Ah, tes souhaits. Donc à chaque produit qu'on déguste, on va à tour de rôle mettre une note sur 10. 1. 10, très rigolo. 2. Ok, et moi je lui mets la note de 7. Noas, bah, vu qu'il est arrivé dans la vidéo, c'est lui qui choisit. Ok, allez Nono. Oh, ouh là là, alors qu'est-ce que c'est? Oh. C'est des pop tarts strawberry milkshake. Quel accent tu... Tu te moques de mon accent là? Ouais. Ah ouais, vas-y, dis-moi, je m'appelle Mathis en anglais. My name is Mathis. Quel accent! Je crois qu'on en avait vu plein au Canada. Ça veut dire que c'est les chimères, que c'est les chimères, que c'est les chimères. Allez, ça va dans le pétissier. Tu sais que je vais pas couper au montage, hein. Tu assumes le prout? On va tous le prendre, on va tous goûter en même temps, ok? Ok. Oh. Ah, mais ils sont géants. Ah ouais, mais c'est énorme. Ouais, on va les couper pour pas gaspiller. Ah! Ah! Y a du truc dedans. Y a de la glace. Spécial, hein. Ça a pas de goût. Mais c'est pas cuit quoi. Ça a pas de goût. C'est parce que ça sent bon. Ouais, c'est ça en fait. Mais ça a pas de goût. C'est ça, c'est trop bizarre. Ouais. Non, non, il mange de bon cœur. Hein. Ah. Écoutez, on va passer à la note, à la notation de ce pop tart. Mathis? 0. Ah ouais. Il est du genre sévère, Matt. Nono? Un 8. Oh, Loulou? Un 8. Bah moi un 2. Comme quoi les avis sont très partagés et je pense que c'est une saveur en fait qui parle beaucoup plus aux enfants. On va dire ça à Loulou. Vas-y. Oh là là. Mais ça c'est tout. Emlich. Ça va? Alors là ma Loulou, on est dans un choix très gourmand. C'est les... je sais plus jamais comment on dit. S'more? S'more? S'more. S'mores. On est dans une édition limitée des Oreos, donc c'est avec un biscuit Oreo, des chamallows et du chocolat. Donc je tiens quand même à préciser que si vous souhaitez vivre en bonne santé et très vieux, tous ces produits qu'on mange aujourd'hui sont à manger en extrême modération. Si vous vous nourrissez que de ça... Moi je crois que je vais préférer chamallows. Non, on va pas mourir. Mais... je vais préférer chamallows. Non, oublie ce que j'ai dit. Non mais c'est des produits qu'il faut manger vraiment très rarement quoi. Oh là là. Et je suis désolée hein. Mais c'est mensonger hein. Parce que moi je m'attendais à ça hein. Bah non, en fait c'est les petits en bas là. Attendez, on mange tous en même temps.
Wow, c'est sucré, hein. Oh mon dieu. Toi t'aimes, hein. Je pense que le silence des enfants parle de lui-même. Donc c'est l'heure de passer à la notation de ces Oreo chamallow au chocolat. Mathis, 10. Louane, dire c'est tout. T'as compris? 10 sur 10 et tout. Nono, 10 sur 10. Ah ouais, c'est incroyable, moi je lui mets un petit 2 sur 10. J'ai pas kiffé, je trouve ça trop sucré. Et je sais que Ninou, sans même lui demander, tu mets un 10 sur 10. Non, 5. Ah ouais? Bah t'es content quand tu le manges, mais après c'est vrai que ça reste en bouche. T'es content quand tu le manges. Ça c'est typiquement Loïc, comme quand on va au restaurant. Il prend un dessert énorme, il le mange jusqu'à la fin. Et à la fin il me dit, oh il était pas bon. Mais il le mange, parce que on gaspille pas. Alors moi je vais choisir. C'est quelque chose que j'adore en individuel et je connais pas ça. Je vais prendre les cookies Twix. Je suis une inconditionnelle fan des Twix. Ouais, c'est du caramel. Fais péter les cookies. Oh là 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 là. Non. Ah oui. C'est la déception. Hein. Ouais, moi je trouve que ça a pas le goût du Twix. C'est pas cuit. C'est pas cuit. C'est le caramel est pas top. Mathis, quelle note attribues-tu à ces cookies Twix? 0. Louane? 2. 10. Ah oui, mais Nono lui il kiffe tout. Et moi je vais mettre franchement un 1. Parce que j'avais mis tellement d'espoir dans ces cookies. Et c'est la déception totale. Donc tiens Nono, tu pourras les ramener chez toi si tu aimes. Mathis, c'est à toi de choisir. Oh là là, on les attendait ceux-là. Donc c'est des céréales Oreo. Et nous, moi j'adore les Oreos. Perso, je pense qu'on va se régaler. Qui veut les goûter avec du lait? Moi. Nous on les fait sans lait, hein. Alors ça c'est quand on demande à Ninou de nous amener un petit bol de lait. Oh là là, c'est bon ça. Tiens, je sais que t'aimes ça. Oh là là. Tu goûtes. Nono, c'est bon ça, hein. Donc il est l'heure de la notation des céréales Oreo. Mathis, quelle note attribues-tu? 9. Oh, attends, ça s'applaudit, Mathis, mais une bonne note. Quelle note attribues-tu? 10 sur 10. Oh, Nono? 10 sur 10. Et moi? 10 sur 10. Oh, ouais! C'est Mathis, donc Louane, c'est à toi de choisir. Non, c'est à moi. Mais oh! Bah excuse-moi, je me suis trompée. C'est à Noah. Dis donc Noah, c'est à toi. Oh, depuis le début, il les attend. Alors, qu'est-ce que c'est? Des M&M's à la noix de coco. Attends, je crois que Nathan, il veut venir là pour ça. Oh, mais on va être à combien dans cette dégustation? Mais c'est pas possible. Allez, viens, Nathan, viens là. Attends, on va se décaler. Alors, comment tu t'appelles? Nathan. T'as quel âge? 4 ans. T'es content d'être là? Oui. Ça se voit. Les couleurs donnent pas envie, clairement. Hein. Oui. Allez, vous en prenez un chacun. Moi, je prends le bleu. 1, 2, 3. C'est ça le goût de quoi? Des Bounty. Mathis? Ça passe pas. Tu vas les cracher? Natoun, on va s'arrêter là? Tu vas être malade? On va maintenant passer à la notation des M&M's. Noix de coco. Alors Mathis, quelle note donnes-tu? 1. T'as pas. Non, Mathis, ça a fini dans les poubelles quoi. Nathan fait la statue. Nathan, tu donnes quelle note? 10. Oh là là. Loulou? 10 sur 10. 10 sur 10. Et ben moi je donne un 8 sur 10. On est quand même dans une belle notation. Moi je trouve que ça a vraiment le goût du Bounty. On sent hyper bien la noix de coco. Bah alors à Loulou de choisir. Les Skittles. Et qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Alors c'est les Skittles. Il y a la vie, ils doivent piquer. Ah oui, bah oui, il y a des flammes. Ouais. Oh non, c'est des Jelly Belly. 3, 2, 1, mangez. Ça pique un peu à la fin. Hein, ça chauffe, hein. Ouais, on va dire que c'est pas le produit de l'année, quoi. Alors, il est l'heure de passer à la notation de ces Skittles qui arrachent la bouche. Mathis. 0. Loulou. 0. Nono. 0. Nathan. 1000. Et moi, 0. Donc, on applaudit Nathan qui met une belle note. Bravo, Nathan. Allez, on passe au suivant. Alors là, on est dans une édition limitée des Oreo spécial Game of Thrones. Donc on va goûter. Est-ce que c'est juste, il faut, c'est juste l'emballage et c'est des Oreo normaux dedans, quoi. Ah oui, tu crois? Je me suis fait arnaquer. Et c'est des vrais Oreo. Je suis dégoûtée. Bah non, regarde derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Ah ouais. Ah, ils sont imprimés Game of Thrones. Oh Nathan, il mange comme... Ouais, il m'a même pas attendu. Les Oreos, c'est la vie, hein. Je rencontre un Oreo. Un ou quatre. C'est bon.
Il est l'heure de passer à la notation. Mathis, 10. Oh là 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 là, c'est le premier 10 que tu mets. Loulou, 10. Oh là 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 là. Non, non. 10. Natoun, 100. Bravo. Et moi, je mets un petit 4. Quoi? Bouh. Bah parce que je suis trop déçue, moi je pensais que c'était genre t'ouvres la boîte et il y a des oreos que t'as jamais vu. Je sais pas, j'ai été déçue à l'ouverture, voilà. Mais après c'est très bon, c'est un oreo normal. Mais tu vas être... Mais bébé, il a repris un oreo. Bah alors Matt, est-ce que cette dégustation t'a plu? Oui. T'as passé un bon moment avec nous? Oui. Est-ce que tu reviendras pour une autre dégustation? Oui. Oui. Bon bah est-ce que vous avez tous passé un bon moment? Oui. Donc mes gourmandises, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous on s'est régalé, on vous donne rendez-vous dès mercredi à midi dans une nouvelle... Bien. Ciao!